Les amis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la 9e course de la saison. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est sur la 9e épreuve du championnat. Et pour ceux qui ont reconnu, oui, on est au motocross d'Arleux. Est-ce qu'un jour je vais briller sur ce terrain? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Vous l'avez vu dans l'introduction très rapide. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai aussi changé de marque. Il n'y avait plus de feeling avec la KT, j'ai dit à Blanchy. Ça fait du bien de changer de moto, hein. Ça, on va pas se le cacher. Concernant les courses, j'ai fait du mieux. Je sais plus, les gars, Arleux, c'est voilà, c'est la craie, c'est une matière assez précaire au niveau de l'adhérence. Mais bon, on s'est pas mal débrouillé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je rentre actuellement du week-end du Master Kid. C'était exceptionnel. C'était incroyable. J'ai filmé tout ce que j'ai pu. Vous faire vivre toutes les sensations que j'ai ressenties. C'est assez compliqué. Il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses. C'est clairement impossible. Mais bon, j'ai hâte de vous préparer la vidéo. Donc en tout cas, on se dirige tout de suite vers la première manche de la journée. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude si c'est pas fait et d'aller faire un petit tour chez Inix Racing et faire.com. Bon visionnage les potes. Thank you.
Bon les gars, concernant cette première manche, putain mais bordel, pourquoi? Le mec devient malhonnête, c'est horrible. Concernant cette première manche, les gars, qui peut s'asseoir à ma table et me dire « Ouais, j'ai autant de malchance que toi, Arle. » Je ne crois qu'il n'y a personne. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, Arle. Il m'arrive tout le temps des dingueries. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Déjà, parmi la machine, je l'ai eu la veille. Bon, lors de la première manche, j'étais peut-être un peu trop excité sur la poignée. Et oui, je commets une erreur, je cale à l'intérieur. Bon, je relance assez rapidement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Enzo qui vient gentiment faire une petite glissade car on a eu de grosses températures durant ce week-end et on a eu le droit à un petit arrosage. Bon, la craie plus l'arrosage, vous savez ce que ça donne, hein. On a eu le droit à un peu de patinage artistique sur la piste et je le touche à peine, franchement je vous jure ça se joue à ça, je l'ai à peine effleuré et ma moto est partie. Bon, après un quart d'heure de course pour remonter toutes les places perdues, c'était assez compliqué. J'échoue à une place du top 20. Bon, déjà pour la qualif en finale on est déjà mal barré, mais bon, franchement, point positif, j'ai pris beaucoup de plaisir sur la moto et le fait de remonter, je trouve que j'avais de bonnes trajectoires et je trouve que j'allais beaucoup plus vite avec ma gaz qu'avec ma KTM. Beaucoup de gens me l'ont dit aussi, ça me fait plaisir, c'est le principal. Donc on se retrouve pour la deuxième manche de la journée, bon visionnage. Hey, salam alaikum. J'étais trop chaud. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Ça fait combien d'années? 5 ans. Ça va faire mal. Beaucoup. La moto, elle partait de travers, elle restait de travers. Tu peux nous résumer ta journée? Non, je t'ai nettoyé le terrain, c'est Joseph. Encore? Encore, ça fait beaucoup là, non? Très bon départ en deuxième manche. À un moment 4, après, pas, quoi. À un moment 5, et après je finis 7. Parce que l'arrosage était... Bon, quand même, hein. C'était un peu du patinoire. Hein. Comment monsieur, l'arrosage, c'est moi qui ai arrosé? Y'a un problème avec l'arrosage? Ouais, c'était pas fou, c'était là. Ça va, t'entends? La journée. Tout va bien jusqu'ici. Comment t'es pas comme mec? Ça va, bel homme? Ça a été mon grand. T'as pas un bon départ? Arrête gros, on va avoir ma calvitie.
les gars, deuxième manche, je prends un assez bon départ. Mais impossible de garder le rythme en étant devant. Je perds trop de temps sur ce terrain, sur certaines portions. Je n'y arrive pas. Me demandez pas pourquoi. La matière, ou je ne sais pas. J'ai trop de mal. C'est horrible. Pourtant, je donne, mais il n'y a pas moyen. Et du coup, je finis à 18ème place. Et là, la question que tout le monde se pose, est-ce que oui ou non, je me suis qualifié pour la finale de cette journée? Et malheureusement, non, je ne me qualifie pas pour la finale de la journée. Bon, Arleux, on va pas se le cacher, on prend l'habitude à chaque fois qu'on y va. On n'y va pas pour faire un coup d'éclat. Hein, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué avec le tracé, tout ça. Enfin, le tracé est bon, mais la matière, ça me convient pas du tout. Mais je n'ai rien contre ce terrain. David, si tu vois cette vidéo, président du terrain d'Arleux, gros cœur sur toi, mais j'y arrive pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. Du coup, on se retrouve pour la petite finale de cette journée. Yeah.
gars, concernant cette petite finale, on prend un assez bon départ, mais pareil, hein, les gars, les trajectoires, tout ça, j'ai pas les bonnes trajectoires, il faut que je travaille sur ce terrain, en même temps, j'y vais jamais, alors que ce terrain est à 20 minutes de chez moi, ça c'est inadmissible, inadmissible. Donc bon, bah, 4ème place, on va pas se le cacher, j'aurais préféré ramer dans les 20 pilotes en MX2 que finir à cette place, mais ça fait toujours plaisir au moral. Donc en tout cas, prochaine vidéo les gars, on se dirige à Verdun pour le Master Kid, franchement c'était incroyable, je trouve que je m'en suis pas mal sorti, on avait vraiment une grosse série, on avait du gros pilote dedans, et franchement c'était top, c'était top. Et ensuite on enchaînera avec le Supercross Nocturne d'Isberg. Là on va aussi se régaler. Donc en attendant les gars, prenez soin de vous, faites attention sur les terrains comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait pour me faire toujours kiffer, pour faire augmenter le nombre d'abonnés et toujours rien que pour vous récompenser les jeux courts. Oui, quand on passe un certain stade d'abonnés, j'aime bien vous récompenser, ça fait toujours plaisir. Un petit tour sur l'Instagram aussi. Je vous embrasse les gars, prenez soin de vous, bisous.